Le plan diabolique de Baruch est donc en train de se réaliser. Tapis au milieu des marais pestilentiels d'Oyster Bay, Slug a commencé son œuvre de mort. Comment la pauvre Dorifa, enfermée dans sa cellule, pourrait-elle imaginer que lorsque l'étoile d'Oyster Bay s'éteint et que la tour fiévreuse s'illumine par les nuits de tempête, les paquebots déroutés se jettent sur les récifs et périssent corps et biens? Même Edward Edmond ignore ce que fait Slug par ces nuits de tempête. Déjà, trois navires de la compagnie des paquebots éclairs ont fait naufrage. Et qui oserait s'approcher de la tour fiévreuse? La Main Rouge, en effet, a répandu des légendes terrifiantes sur cette tour, et Slug a été chargé de les entretenir en vaporisant tous les jours le virus de la fièvre jaune dans les marais environnants. Pampas City, terminus. Les voyageurs en correspondance pour Mexico Porteur. Sont priés de se rendre en salle d'attente. Porteur, s'il vous plaît. Pampas City. Porteur. Terminus. Porteur. Lord Buridan. Lord Buridan. Qui m'appelle? Mais enfin, qui êtes-vous? Mais vous ne reconnaissez pas? Oh, Oscar. C'est toi, Oscar. Il y a si longtemps que je ne t'ai vu, je ne t'avais pas reconnu. Dis-moi, Oscar. Tu as quelque chose de changé, toi, hein? Bah oui, ma bosse. Ta bosse? Bah regardez, Lord Buridan, j'ai plus ma bosse. C'est vrai? Mais c'est vrai. Ça, c'est extraordinaire. Et depuis quand n'as-tu plus ta bosse, là? Ah, ça fait au moins 2 mois que M. Bondonem sur Arnel m'a opéré. Bah oui, au moins 2 mois, puisque j'ai dû rester immobile dans le plâtre pendant 1 mois et demi, et qu'ils me l'ont retiré il y a tout juste 15 jours aujourd'hui. Oh, c'est extraordinaire, on voit vraiment rien. Il n'y a plus rien. Ne me regardez pas comme ça, Lord Buridan. Ah, c'est extraordinaire, j'en reviens pas. Ah, je sais que je suis un vrai dandy maintenant, mais quand même. Et dites-moi, Lord Buridan, vous venez aussi pour demander la main de Miss Régine? La main de Miss Régine? Et voyons, Oscar, pourquoi cette question? Pourquoi épouserais-je ta fiancée? Ma fiancée? C'est que depuis que M. Bombridge est devenu millionnaire grâce à ce billet de loterie de malheur, j'ai pensé qu'il était plus honnête de ma part de rendre sa parole à Régine. Bon, ça m'étonnerait qu'elle ait accepté. Hein. Ça, c'est vrai. Elle arrête pas de me supplier dans toutes ses lettres de rien changer à mes projets. Et son père? Ben lui, c'est pas la même chose. Mais il insiste aussi peu pour me retenir, j'ai bien compris qu'il serait pas fâché d'avoir pour gendre un gars plein de millions. Oui, ça m'étonne quand même de lui. Enfin, rien n'est encore perdu, la preuve c'est que je suis ici. Ben oui, Régine m'a invité à venir passer quelques jours chez eux. Attends, Régine, attends, là je ne comprends plus. Pour quelle raison? Ben c'est simple, il y a plusieurs prétendants sur la file d'attente, il paraît. Le père Bombridge a accepté de me mettre en fin de liste. Il doit lui rester un peu d'humour de son ancien métier de clown. Vous vous rendez compte? Il a décidé de réunir dans sa maison tous les prétendants de sa fille. Il paraît qu'il veut nous comparer. Eh bien, si je peux t'aider, mon cher Oscar. Hein. Mais tu connais les autres concurrents? Bah, je sais qu'il y en a au moins 2. Il y en a un qui est très riche, paraît-il. Il fait fortune dans les pieds. Ah, dans les pieds? Oui, dans les pieds, j'ai pas très bien compris. Ça s'appelle un podo... podomancien, je crois. Oui, c'est ça, il vend des chaussures d'occasion. Et l'autre? Bah, l'autre, c'est Matalobos. Ah, Matalobos, ce voleur de Galice qui désole Madrid malgré notre police. Ah bah, ça doit pas être le même, non. Non, mon Matalobos à moi, c'est l'ancien prestidigitateur du Gorilla Club. Ouais, lui aussi, il a fait fortune, mais je sais pas dans quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'avec tous leurs millions, moi, je suis pas à la hauteur. Mais au fait, Lord Buridan, je parle de moi, mais vous avez même pas demandé pourquoi vous étiez ici. Enfin, à moins que ça soit indiscret. Non, mais pas du tout, mon cher Oscar, pas du tout. En fait, c'est une affaire assez grave qui m'amène. Tu connais, n'est-ce pas, la compagnie des paquebots éclairs? Bah oui, c'est la compagnie de Freddy Orgel et Harry Dorgan. Ouais. Si je la connais, j'y ai même travaillé, moi. Enfin, il paraît que ça marche du tonnerre. Eh bien, plus tellement. La compagnie traverse une crise sérieuse. Depuis moins d'un mois, 3 de ses plus grands paquebots ont péri corps et biens. Je ne savais pas. Mais c'est catastrophique. Et comment ont-ils fait naufrage? Des accidents? Eh bien, justement, je ne pense pas qu'il s'agisse de simples accidents. Et je suis persuadé que... la Main Rouge est responsable de ces 3 naufrages. La Main Rouge? Encore? Mais je croyais... Vous avez des preuves? Non, seulement des soupçons. Et c'est pour les confirmer que je suis ici.
Chez Monsieur Bombridge, vous croyez que... Non, Oscar, rassure-toi, je ne soupçonne absolument pas ce brave Monsieur Bombridge. Seulement, ces naufrages se sont produits en face même des côtes de Floride, non loin d'ici. Et je viens simplement faire une enquête discrète sur place. L'élevage d'escargots de Monsieur Bombridge étant très étendu dans la région, j'ai pensé tout naturellement à lui et je lui ai demandé de l'hospitalité. Voilà. L'élevage d'escargots ? Quel élevage d'escargots ? Comment, Oscar ? Tu ne sais donc pas qu'en quittant le poste de régisseur général de la propriété de Fred Yorgel sur le lac Ontario, Bombridge s'est lancé dans les affaires? Bah si, ça je le savais, mais Régine ne m'a jamais dit quel genre d'affaires il s'agissait. Eh bien, il a organisé de façon intensive l'élevage de l'escargot. Après tout, le trust de l'escargot en vaut bien un autre. Il paraît que son établissement est très curieux à visiter. Monsieur Buridan, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Que désirez-vous? Je suis le chauffeur de Monsieur Bombridge. Ah! Il m'a chargé de venir vous chercher en automobile. Ah, je dois également ramener un certain Oscar Tournesol. Un petit bossu. Mais il a dû manquer le train, je n'ai vu aucun bossu sur le quai. C'est moi. Mais... Oui, eh c'est oui, moi. Mais oui, en dépit des apparences. Ah, bon. Et si ces messieurs veulent bien me suivre. Si ces messieurs veulent bien se donner la peine. Oh, Mazette, quelle bagnole! Oh, jamais j'aurais pensé ça de Monsieur Bumbridge. Parce que ça peut pas faire le fric quand même. Oh, Oscar! Voilà Oscar, papa! C'est Oscar et Lord Buridan, viens vite! Reçois-les, je suis occupé! Oscar, cher Oscar, que je suis contente. Je suis si heureuse de... Mais qu'est-ce que t'as? On dirait que t'es plus grand qu'avant. Oscar, t'as plus de bosse. T'es la seule à l'avoir remarqué. Oh, ce que t'es beau, Oscar. Jamais j'aurais pensé que... Oh, ben c'est papa qui va être étonné. Tant mieux, une raison de plus pour que je t'épouse. On s'embrasse. Oh, pardonnez-moi, Lord Buridan. Je suis tellement heureuse de revoir Oscar que je vous ai oublié. Je commençais à m'ennuyer. Mais entrez donc, papa arrive tout de suite. Dites-moi, Miss Régine, mon petit... Et ses prétendants? Oh, j'espère bien qu'ils ne resteront pas longtemps. Combien y en a-t-il? Deux seulement. Papa n'a pas pu en trouver davantage. Pourtant. Mais je suis bien décidée à n'en faire qu'à ma tête. Je me suis promis d'épouser Oscar et j'épouserai Oscar. Mais enfin, Régine, ton père, je voudrais pas qu'il... Mais non, Oscar. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commande. Eh bien, ça commence bien votre vie conjugale. Dis, Régine, le collier de diamants, là, je ne l'avais jamais vu. D'où il vient? Ça, c'est rien, une babiole. Matalobos me l'a donné. Matalobos? Il est donc si riche? Qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien, ça m'est bien égal. Il a dû se trouver un trust quelconque. Ah, voilà papa. Bonjour à tous. Bonjour, Lord Buridan. Lord Buridan, comment allez-vous? Comme je suis heureux de vous recevoir sur mes terres. Avez-vous fait un bon voyage? Très bon, cher ami, très bon. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de m'être fait inviter ainsi. Mais pas du tout. Pas du tout, au contraire, j'en suis ravi. Ah, Oscar. Et bonjour, mon petit. Tiens, on dirait que tu as changé. Bon. Alors, vous prendrez bien un petit quelque chose. Asseyez-vous. Ma foi. Régine, demande à Tom, le valet de pied, d'apporter les apéritifs. Oui, papa, tout de suite. Ah. Et, Lord Buridan, j'allais oublier de vous remettre cette lettre. Elle est arrivée ce matin, tenez. Merci. Ah, je vois d'après votre visage que ce sont de bonnes nouvelles. Oui, c'est une lettre de Miss Eleanor, ma future épouse. Vous allez vous marier? Oh, mais c'est chouette, ça, toutes mes félicitations. Et pourquoi vous ne l'avez pas amenée? Je l'ai envoyée à Winnipeg, chez mon ami Pasquier, dont tu te souviens sûrement. Hein. Elle tient compagnie à un autre de mes amis qui, malheureusement, est aphasique. C'est quoi, ça, aphasique? Voyons, Oscar. Aphasique, c'est...
C'est... Eh bien, comme allait te l'expliquer Monsieur Bombridge, Oscar, un aphasique est quelqu'un qui a perdu l'usage de la parole. Ah bon? Voici les boissons, sœur. Ah. Merci, Tom. Posez ça là, vous pouvez disposer. Un petit whisky, Lord Buridan. Mais avec plaisir, merci. Ah, quelle merveilleuse propriété vous avez là, mon cher Bombridge. Ah, ah, n'est-ce pas? Elle peut, elle m'a coûté assez cher. Mais faut ce qu'il faut, n'est-ce pas? Ah, Matalobo, entrez donc. Asseyez-vous. Whisky? Merci, oui. Mes hommages, monsieur. Oh, eh bien, Oscar, tu ne bois rien? Attends, je vais te servir un petit whisky de mes blanches mains. Oh, Matalobos, enlevez donc ce monocle, vous êtes vraiment ridicule avec ce machin-là. Non, mais c'est que... Voyons, voyons, Régine, cesse d'être impertinente. Bon, eh bien, le valet de chambre va vous montrer vos appartements. Nous déjeunons à midi juste. Et à tout à l'heure, donc. À tout à l'heure. Eh bien, mon cher Bombridge, ce déjeuner était vraiment parfait. Oh, ça, c'est vrai. J'ai jamais mangé des fruits pareils. Ah, c'est excellent. Mmh, c'est bon. Je les ai cueillis spécialement ce matin pour toi, Oscar. Mademoiselle Régine, vous êtes une maîtresse de maison. Oui. Un télégramme pour Lord Buridan. Merci. Excusez-moi. C'est un télégramme de Fred Yorgel. Un des navires de la compagnie vient encore de faire naufrage. Et c'est le quatrième, n'est-ce pas? Oui. Et encore une fois au même endroit, au large des côtes de Floride. Où cela exactement? Sur les récifs du golfe d'Oyster Bay. Oyster Bay? Mais ce n'est qu'à quelques milles d'ici. Dites-moi, Bombridge, vous pourriez m'y emmener? Vous emmener à Oyster Bay? Mais vous n'y pensez pas. Et si, pourquoi? Mais personne ne va jamais là-bas. Ce n'est qu'un immense marécage infesté d'alligators et de serpents. En plus, c'est le séjour favori de la fièvre jaune. La fièvre jaune? C'est quoi ça, la fièvre jaune? Ah, c'est une maladie contagieuse, d'origine américaine, oui. Produite par un virus et transmise par un moustique s'appelant stégomie. Celui qui en est atteint à la peau qui devient toute jaune et est saisie de vomissements de sang noir. On l'appelle aussi vomito negro. Oh, mais je ne vous savais pas si savant, Matalobos. Bon, c'est rien, ça, Miss Régine. C'est seulement que j'ai une très bonne mémoire et que j'apprends très facilement le dictionnaire par cœur. Oui, je comprends en effet votre réticence, Bombridge. Ce n'est pas un endroit très, très encourageant. Ah, ça pour ça, non. Toute cette partie de la côte est d'ailleurs complètement déserte. Autrefois, avant que les Espagnols n'aient vendu la Floride aux États-Unis, il y avait un village de Noirs à Oyster Bay. Mm. Mais cela fait plus d'un siècle qu'il est abandonné. Je crois que tous ses habitants sont morts de la fièvre jaune. D'ailleurs, à propos de la fièvre jaune, il y a actuellement une recrudescence de la maladie dans la région. Et c'est bien ennuyeux, car elle frappe surtout mes ouvriers noirs et ils meurent comme des mouches. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'au train où vont les choses, je finirai par ne plus trouver de main d'œuvre. Et la côte? Oh, elle est tout aussi dangereuse. Il n'y a que des récifs et des requins y pullulent. Il faudra bien pourtant que j'aille voir ça de plus près, moi. Mais pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas fait installer un phare à cet endroit? Mais il y en a un. Juste à l'entrée de la rivière qui fait communiquer la mer et le lac Okikobi. Il faut croire qu'il ne sert pas à grand-chose. Et on dira ce qu'on voudra, mais quatre naufrages coup sur coup, c'est bizarre. Par contre, Lord, si vous le désirez, je peux vous faire faire un tour à travers les marais dans le petit chemin de fer de Coville de mon exploitation. Mon wagon personnel est hermétiquement fermé et nous n'aurons rien à craindre, qu'en pensez-vous? Oh, mais avec plaisir, je suis très curieux de voir ces marais d'un peu plus près. Ah oui, moi aussi, c'est une chouette idée, ça. Veuillez m'excuser, mais je ne me sens pas très bien. Permettez-moi de me retirer. J'espère qu'un petit somme cet après-midi... Allez vous reposer, Matalobos. Vous avez tellement peur que vous risqueriez vraiment de tomber malade. Vous êtes déjà tout jaune. Allez vite vous coucher. Régine,
Voyons. Non, mademoiselle Régine aime bien plaisanter. Mais c'est pas grave. Excusez-moi. À ce soir. J'espère, Bombridge, que nous visiterons votre élevage d'escargots. Oh, mais j'y compte bien. Mais j'attends l'arrivée de mon dernier invité. Il sera là après-demain. Jupiter! Jupiter! Monsieur m'a appelé? Oui, Jupiter. Donne l'ordre d'attacher le wagon de promenade à la locomotive. Nous allons faire un tour à travers les marais. Tu nous accompagneras. À travers les marais, monsieur? Mais c'est que ce matin, j'ai entendu la cloche sonner. La cloche sonner? Oui. La cloche sonner, mais qu'est-ce que tu racontes? Allez, ne discute pas. Mais qu'est-ce que tu as à me regarder avec ces yeux ronds? Fais attention, ils vont te sortir de la tête. Allez, vite! Nous partons dans 10 minutes, dépêche-toi. J'y vais. Mais j'ai entendu la cloche. Le démon de la tour a prévenu. Le démon. Oh, quelle chaleur, je suis tout poisseux. Berk. Oh, moi aussi. Oh, ça va. Quel paysage nu et désolé, c'est sinistre. Jupiter. Monsieur Bombridge. Vérifie que toutes les vitres sont bien fermées et asperge le sol d'antiseptique. Tout de suite, monsieur Bombridge. Voilà. Voilà. Vous voyez, Lord, on ne prend jamais assez de précautions. Moi, je me méfie des vapeurs qui s'exhalent de ces marécages. Il n'y a que les nègres qui peuvent les supporter, encore pas tous. Uniquement ceux qui ont eu la fièvre jaune et qui n'en sont pas morts. Les autres... Oh, regardez, la mer! Mais qu'est-ce que c'est, ce brouillard gris qui a l'air de bouger là-bas au ras du sol? Ah, ce sont des moustiques. Des milliards de moustiques. Un homme blanc serait incapable de rester là-bas une seule minute sans en mourir. Bah, c'est gay. Et les noirs, pourquoi ils peuvent? Mais voyons, Oscar, tu sais bien qu'ils sont pas comme nous. Embrasse-moi, Oscar. Tu m'aimes, dis. Oui. Mais vous n'exagérez pas un peu, monsieur Bombridge? Il me semble apercevoir un village là-bas près de la mer. Il y a même un clocher. Si le pays était si pourri que ça, on n'aurait pas eu l'idée de construire une église. Ouais, bah c'est le village abandonné dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas un seul nègre qui accepterait de s'approcher de ce clocher, même en plein jour. Ils l'appellent la tour fiévreuse. Et ils prétendent qu'il s'y passe des choses extraordinaires. N'est-ce pas, Jupiter? Ah, ça c'est bien vrai. Écoutez, il y a 2 jours, j'ai vu le feu. Ça faisait comme une étoile qui bougeait. C'était sûrement le démon de la tour. Mais singulier pays. Il faudra bien pourtant que je la voie de plus près, cette tour fiévreuse. Si Mylor veut mourir, alors Mylor peut aller à la tour. Mais Mylor ne trouvera pas de guide et il se perdra dans les marais. Même toi, Jupiter, tu ne m'accompagneras pas à la tour? Ah, non, je n'ai pas envie de mourir, Mylor. Mais qui parle de mourir? Ah, quand on rencontre le démon, on meurt. Et le démon, il habite dans la tour. Et à quoi il ressemble, ton démon? Il ressemble à une grosse araignée, monsieur Oscar. Sa tête est grosse comme celle d'un taureau. Et il a 6 pattes, avec des suçoirs au bout. Et il a des yeux tout bleus. Ah ben voilà un drôle de monstre, qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Oscar a tort de rire. Si monsieur Oscar rencontre le démon, il ne rirait sûrement plus. Mais ça pourrait bien arriver. Oh, pas dans la journée. La journée, il se cache dans les marais. Mais la nuit, il sort. Et il vient sucer le sang des pauvres noirs. Et les pauvres noirs, après, ils meurent dans des souffrances atroces. Et quand ils sont morts, les pauvres noirs, ils deviennent tout jaunes. Et un noir tout jaune, ce n'est pas normal, hein? Vous riez? Ah, mais quand vous entendrez la cloche, vous n'y rirez plus. Cloche? Oui, la cloche. Quand le démon sort, il prévient toujours les pauvres noirs en faisant sonner la cloche de la tour fiévreuse. Et de quoi les prévient-il, Jupiter? Du vomito negro, Mylor, du vomito negro. Chaque fois que le démon sonne la cloche, le vomito negro arrive. Et tu l'as déjà entendu, toi, cette cloche? Mais oui, monsieur Oscar. Je l'ai entendu il y a 3 semaines.
Le jour d'après, il y a 300 pauvres nègres qui sont morts. Et je l'ai encore entendu ce matin. Ce matin? Oui. Mais moi, j'ai rien entendu. En tout cas, je suis sûre que si je l'entendais, je ne serais pas assurée. Oh, depuis quel temps? Je suis sûre qu'il va y avoir un orage cette nuit. Dis, on rentre, papa. Oui, rentrons. D'ailleurs, il commence à pleuvoir. Hé, écoutez! C'est la cloche. Comme ce matin. Slug est parti très tôt et Edward est comme fou. Ça fait deux fois dans la journée qu'il se pend à cette cloche, mais il devient complètement dingo. Si seulement quelqu'un pouvait l'entendre. On viendrait et on trouverait peut-être le crucifix d'étain que j'ai jeté hier par la meurtrière. Ce que j'ai gravé dessus est lisible et... C'est moi qui suis emmurée depuis deux jours et c'est monsieur qui devient fou. C'est la meilleure, non? Ah, si j'arrivais à agrandir ce pli que je creuse dans le mur depuis hier. Enfermé. Mais quel minable! N'arrive pas! Oh, il exagère, voilà qui m'appelle à son secours maintenant. Hé, hey, Edward! Edward! T'es pas encore morte? Ah, oh, je suis content. Oh, toi, mes femmes, j'en peux plus. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux pas m'aider, toi? Oh, t'en as de bonnes. Je suis emmurée, tu me demandes de t'aider. Non, mes femmes, j'en supplie, t'en supplie, aide-moi. Mais comment t'as fait pour creuser ce trou? T'occupe pas. Va me chercher d'abord un peu de pain et de l'eau. Après, on verra ce que je peux faire pour toi. D'accord. J'y vais. Mais tu m'aideras, hein? Tu m'aideras? Oui. Vlasme. Je l'ai vu. Bien fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas d'affolement. Passe-moi d'abord le pain et l'eau. Oui. Bon, merci. Merci. Maintenant, écoute-moi bien. Oui. Je vais reboucher ce trou, et demain, dès que Slug sera parti pour sa balade journalière, tu me sortiras de là, d'accord? Oui, mais... Discute pas, fais ce que je te dis. Cette nuit, il y aura sûrement de l'orage. Tiens, qu'est-ce que je disais? Alors, t'occupe pas de Slug et roupille bien. Demain, ça va être une journée chargée. Attention, le voilà! Et pas un mot, hein? T'as bien compris? Oui, j'ai compris. Je descends. Oui. Qu'est-ce que tu fais debout là-haut? T'es malade ou quoi? C'est toi qui as sonné la cloche comme ça? Mais c'est pas moi, Slug, je te jure, c'est vent. Elle était ma fixée avec cette tempête qui se prépare, mais ça y est, j'ai arrangé ça avec une corde. C'est bon. Descends dans la crique et va te coucher. Moi, cette nuit, j'ai du boulot. Quelle tempête!
Ça fait bien une demi-heure que je suis sur ce balcon. Ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Finalement, on le voit très bien, ce phare. Vraiment, je n'y comprends rien. Il est même très puissant. Oh, ça alors? Je ne le vois plus. Ah, si, si, je le vois. Ah, oh, il ne le voit plus. Ah, si, je le revois. Mais il n'est plus au même endroit. C'est au moins à une dizaine de milles plus au nord. Vraiment étrange. Et la lumière a l'air d'être encore plus forte. Voyons, il n'y a pourtant pas deux phares. C'est vraiment curieux. On dirait même que cette lumière est à l'emplacement exact de la tour fiévreuse. Oui, mais oui, c'est bien ça. Et heureusement que j'ai ce parapluie. Je vais attendre la fin de cette tempête, même si je dois y passer la nuit. Et demain, j'irai à la tour fiévreuse. Je veux absolument en avoir le cœur net. Quel curieux pays. On dirait que la tempête s'éloigne. Oh ! La lumière de la tour vient de s'éteindre. Et voilà le phare qui se rallume. Ah, je crois que je commence à comprendre. Bon, mais il est temps d'aller se coucher maintenant. Demain, j'aurai éclairci ce mystère. Attention, Slug. Attention. Tu as une fois déjà échappé à Lord Buridan. Rappelle-toi, c'était à l'île des Pendus. Y échapperas-tu une deuxième fois, Slug? Eh bien, tu le sauras en écoutant la suite du mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, le crucifix d'étain.